follow Stadito parce que franchement c'est un super compte et tu fais du super taf. Il faut se rendre compte du taf. Oui, 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 oui. Bonjour à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à 3 chez moi pour le retour de la Ligue 1. On s'était quitté avec le titre de champion ici au bord de ce stade de l'Aube. Vous vous rappelez peut-être du morceau de pelouse qui a été extrait. Je vous rassure, la pelouse a été bien refaite. Elle est toute belle, toute propre. On a vu un super match ici pour cette première journée entre l'Estac et le vice-champion de France, le PSG, qui va partir à la conquête d'un titre de champion de France que Lille lui a volé. Petite vidéo qui est là aussi. Voilà, c'était un gros match. On a vécu plein de coulisses, plein de choses, plein de belles choses. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Stadito. Abonnez-vous juste ici et allez faire un petit tour sur Instagram et TikTok, les deux réseaux sur lesquels je suis énormément. Je vous dis à tout de suite pour ce match de folie entre les Stacks et le PSG. C'est parti, let's go! Samedi 7 août 2021, ça y est, le début du championnat est là, le début du championnat arrive, on est à 3 dans ma ville de cœur, on monte en Ligue 1, on est en Ligue 1, ça y est, vous m'avez quitté il y a quelques temps quand on était encore en train de récupérer des morceaux de pelouse pour la montée, là ça y est, on est à la première journée, gros match, gros choc aujourd'hui à suivre comme vous l'avez vu, c'est maintenant, j'arrive à côté du stade qui est là-bas, c'est parti récupérer tout ça et rencontrer aussi pas mal de monde ici au stade de l'Aube. C'est bien le connaître ce stade de l'Aube, hein. On va chercher l'accréditation, c'est le premier match de la saison, donc on va chercher l'accès pour l'année entière, juste là, au guichet. Merci. Bon, l'accréditation est retirée, on est avec les supporters troyens. Ouais. Les gars, en forme. Bon, un petit prono pour le match, les gars. Je commence par là. Ouais, petit, allez, 2-1 pour les Stacks. 1-1. Ouais, je pense que ça sera 1-0 les Stacks. 3-0 les Stacks. Non, 1-0 pour le PSG. Vous êtes placé en tribune avec les supporters troyens. Ça a donné de la voix ce soir. Ça va crier très fort. On commence maintenant. Ouais. Allez, on commence maintenant les gars, je vous laisse, c'est parti. Allez, 3, 2, 1. Allez les Stacks. Bon match les gars. En tout cas, merci. Bon match, à force. Merci, un bon match. À force. Chantez bien pour les Stacks. Hein. On est là. Hein. Allez les Stacks, allez les gars. Allez, bon match. Bon là les joueurs parisiens vont pas forcément tarder à arriver, donc je vais faire le choix de rentrer, d'aller à l'intérieur pour essayer de les voir d'un peu plus près et de vous filmer ça. C'est un match de gala, un match de prestige ici pour cette première journée, donc forcément on va essayer d'avoir le meilleur plan possible. Parfait, merci beaucoup, bonne journée. Premier bus qui est en train d'arriver, c'est le bus de l'Estac qui est là juste devant. Bon, le bus troyen est en train de quitter sa position. Le car parisien va pas tarder, il sera juste là devant nous. Les commentateurs, les carrières, notamment. Ça y est, le car du PSG arrive juste là derrière. Kylian, il est là, Kylian. Je viens de voir l'arrivée des bus. Et là, il y a Clément. Clément qui bosse pour Canal. On est là pour Canal, c'est le premier de la saison. On est encore bronzé, on est excité. Ouais, Messi. Messi, ouais, ça on en parle pas mal. Tu suis tout ça. Je suis tout ça et je suis surtout ton compte. Ouais. Et je te l'ai déjà dit et je te le redis, Stadito, ouais. On est d'accord, faut c'est follow. C'est pas que le Parc des Princes et le Vélodrome, c'est tous les stades. C'est tous. Et c'est d'ailleurs des histoires, si je dis pas de bêtises et si j'essaie de bien le vendre bien aussi. Bien sûr, c'est ça. Il faut follow Stadito parce que franchement c'est un super compte et tu fais du super taf. Il faut se rendre compte du taf que c'est. Ouais. Et franchement bravo. Bah merci pour tout. Merci avec, beaucoup, avec bon plaisir. Match. Et allez, les Stacks prendront. Voilà. Moi je me prononce ça, pas. Dire. Je peux pas, ah, je peux rien dire. C'est ça, bon match à toi. Parfait, merci beaucoup. Merci. Prends les bonnes habitudes de la presse, on récupère le casse-croûte. Et on mangera ça là-haut. Tout est bien arrivé, hein. On est bien en Ligue 1, on s'est quitté en Ligue 2 ici. On est bien en Ligue 1. Et on va prendre l'ascenseur. Merci beaucoup. Bon, le stade est juste là. Aujourd'hui, il y a tellement de journalistes. Je vais vous faire la liste, vous allez voir tout ça. Qui a un plan, et je suis sur le plan, je suis juste là. Trouver des médias. On va reconnaître. Donc
On est à 50 minutes du début du match entre les Stacks et le Paris Saint-Germain. Les compos viennent de tomber, la feuille de match est juste là. Et Kylian Mbappé va jouer son premier match depuis l'Euro. Depuis ce match contre la Suisse à l'Euro, Mbappé est titulaire dans ce match. Les gardiens des deux équipes sont rentrés sur la pelouse là à l'instant. C'est Keylor Navas qui est rentré avec sur le banc Sergio Rico. Les joueurs ont fini leur réchauffement, on va parler un petit peu des deux équipes. L'équipe parisienne, vous la connaissez, on est plein dans la tourmente, on ne sait pas si Lionel Messi va arriver, c'est ce qui plane au-dessus de ce stade de l'Aube. L'équipe troyenne qui appartient au City Group depuis l'année dernière, on avait été au premier match de Ligue 2, on est toujours là, mais en Ligue 1 cette fois-ci. Les Stags qui a fait quelques recrues, qui en aligne au coup d'envoi 3, notamment Issa Kabore, que je vous invite à suivre durant toute la saison, qui appartient au City Group, qui a été prêté à 3. Encore Youssouf Koné ou Renaud Ripard, qui a été acheté par les Stags. Les deux équipes sont rentrées, on place à la composition. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Et le numéro 9, Mauro Icardi. Dans le but, numéro 30, Gosselin. Le parquage parisien qui pour le moment n'a pas encore fait son entrée dans le stade. Une manifestation avec notamment les banderoles sur le pass sanitaire que je vous laisse lire, qui sont déployés actuellement en tribune. On va voir, ils vont bientôt rentrer. Côté troyen, une animation est prévue juste en face de moi, avec notamment des ballons sur toute la tribune Champagne, la tribune active dans ce stade de l'Aube qui accueillera aujourd'hui autour de 18 000 personnes. C'était les chiffres des dernières ventes. Les joueurs vont rentrer, ils sont dans le couloir. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la première journée de Ligue 1 ici au stade de l'Aube entre les Stags et le Paris. C'est parti pour entraîner 22 acteurs ici au stade de l'Aube. Les 22 acteurs sont prêts à débuter ce championnat cette saison. On espère le maintien pour les Stags et on espère retrouver le titre côté parisien. C'est parti pour l'entrée du parquage parisien qui attendait plus. On est devant. Wouh, allez, allez go. Oh là là. Oh là 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 là. Ça c'est la vraie première grosse occasion pour les Stags sur ce pressing de Johan Tugard qui vient de presser le champion du monde. Presnel Kimpembe sur son centre est contré par la défense parisienne. Il y avait Ripard au deuxième poteau. Ça donne un bon corner pour les Stags. J'ai plutôt bien rentré dans son match. Oui, 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 oui! C'est quoi ça? Ouverture du score de l'Estac. J'ai les larmes aux yeux. Incroyable. Ouh. Je vais vous donner le but en quelques secondes. Quel but sur le corner! Premier corner, premier but, première grosse occasion. Et le but marqué. Bon, je me suis remis un peu. Je me suis remis un peu de mes émotions. 11e minute de jeu, du coup 1-0 pour les Stags sur ce coup de tête victorieux de Walid El Adjam, le défenseur central de les Stags. Ça commence parfaitement bien. Vous pouvez voir là. Le Paris Saint-Germain sur ce boulet de canon. C'est la recrue marocaine Achraf Hakimi qui a pris le dessus sur Youssouf Koné. Je vous dis
disait que c'était le duel de ce début de match. Et oui, il l'a remporté au physique. La recrue parisienne qui permet au PSG de revenir dans ce match. Un partout, après 19 minutes 30 de jeu. C'est donc reparti un partout. Deux minutes après seulement le premier but parisien, second but pour le PSG. Mbappé bien lancé dans la profondeur, qui réussit à dribbler Gallon, à centrer pour Icardi. Et ça fait 2-1 pour Paris. Et ça va vite, ça va très très vite. 22e minute de jeu et 2-1. Mbappé, 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 Mbappé. Oh là là, le sauvetage. C'était chaud, c'était très chaud. Tour de 1, 24e minute. Et Ripart, Ripart. Oh l'arrêt. Corner à frapper pour Tardieu qui s'est pris un projectile. Je me demande si le corner il va tirer quand même juste devant le parcage parisien. Ah, c'est match. C'est la pause ici à 3 et les sacs est mené. 2-1 par le vice-champion de France, le Paris Saint-Germain, qui a d'abord concédé l'ouverture du score sur cette tête, ce corner marqué par les stacks, sur ce pressing intense de Stuttgart sur Kimpembe et cette tête sur le corner qui a suivi de Walid et la Jam. Les stacks menaient 1-0 après 9 minutes de jeu et c'est les Parisiens qui ont réagi dans un premier temps grâce à Achraf Hakimi, la recrue très active sur le couloir droit, et ensuite ça a été Mbappé dans la profondeur pour Icardi. Ça faisait 2-1 pour les stacks, c'est le score à la mi-temps. On se retrouve en deuxième mi-temps. C'est reparti depuis une dizaine de secondes, j'ai pas eu le coup de sifflet de départ, mais c'est parti dans la deuxième mi-temps, 2-1 pour Paris. Craquage impressionnant des Parisiens juste pour ce retour de cette deuxième. Assez impressionnant, liberté pour les ultras, on n'oublie pas ce retour des supporters au stade. Sauvetage. Ouh. Juste en dessous en jeu, Marin Baldé vient de tenter un geste acrobatique sur ce ballon en profondeur, ça ne passe pas, toujours de 1, 66e minute. Oh ce missile! Oh ce missile de Kylian! Ouh là là là! Tour de 1, 81e minute de jeu! Et Mbappé qui cède sa place à Pablo Sarabia. Mbappé qui pourrait quitter Paris. C'est une éventualité, il a joué aujourd'hui. Alors que le temps additionnel est annoncé. 3 minutes! Des choses dans cette 90e minute de jeu, ça fera de Tardieu, je sais pas, Kylian Navas, corner pour les stacks. Ouh, oh quelle parade sur cette tête au premier poteau, hein, moyenne, toujours 2-1 dans les arrêts de jeu. Ce match entre le Stack et le PSG, on va suivre la célébration juste parisienne sur le côté. Le Stack a été vraiment, vraiment très, très intéressant sur ce match. On se retrouve un petit peu. Là, je suis en bas.
y a les joueurs, les remplaçants du PSG, ils sont en train de faire une séance physique juste derrière moi, regarde. Sympa Arnaud Kalimundo, très sympa. C'était impressionnant de voir cet exercice physique des remplaçants. On a pu les voir de très très près, j'espère que vous kiffez pouvoir voir comme ça des endroits très très privilégiés. C'est donc ici, au bord du terrain, comme on a l'habitude de le faire ici à Troyes, dans mon jardin, que l'on termine cet épisode. J'espère vraiment que vous avez bien aimé. Le parquage parisien n'est plus en feu comme il l'a été tout à l'heure, ça s'est calmé, je vous rassure. On a vu un très bon match de football. L'Estac qui a montré de très belles promesses en vue de son maintien. On a vu de belles choses, l'ouverture du score de Walid El Hadjam m'a totalement transporté, je vous jure, j'avais les larmes aux yeux, c'était incroyable. Malheureusement, le PSG, 2 buts en 2 minutes, ça ne pardonne pas. Hakimi dans un premier temps, puis Icardi sur une passe de Kylian Mbappé. Voilà, le Paris Saint-Germain l'emporte 2-1 sans briller, mais avec une équipe un peu amoindrie, avec pas mal de joueurs absents, notamment Sergio Ramos, Donnarumma, ou encore bien d'autres, j'en passe, et peut-être Messi qui va arriver. Voilà, merci à tous d'avoir suivi tout ça, abonnez-vous, allez voir les différents comptes sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, tous les dimanches, le Summer Trip, je vous le rappelle. Voilà, merci à tous, vive le football, et vive le Grand Doping, ciao.